Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. C'est un Charleroi qui était visiblement dans tous ses états qui s'est exprimé ce lundi 6 février 2023 devant le pavis de la cour d'appel de Conakry où le tribunal criminel d'Indixim a été délocalisé pour la tenue du procès sur le massacre du 28 septembre. Alors que certains gardes pénitentiaires et des chauffeurs menacent de débrayer le garde des Sceaux, a dit à qui veut l'entendre dans un ton ferme et tranchant qu'il ne paiera aucun franc à qui que ce soit devant les gardes pénitentiaires massivement rassemblés. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme dénonce une forme de corruption qui entoure la gestion du fonds destiné au procès. Il a promis de couper le mal à la racine. Non sans titulaire, Selom d'Alain Diallo, Sidia Touré et Jean-Marie Doré, ces trois figures politiques avaient été indemnisées chacun 2 milliards après le pillage de leur domicile. Charles-Alphonse Roy a exigé une situation claire, sans quoi aucun rond ne sera désormais déboussé. Et bien les amis, c'est ici que prend fin ce petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne. Partagez avec vos amis, famille, reconnaissance si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.